Tikana prophétiser na vie. Bisika balinga bazokufa kokufa te. Eloko pomi tata na yo ko poma yote. Eloko pomi mama e ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque chrétien ont tourné. Tu vas savoir que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe? A partir de l'élo, na commission intouchable. Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo, na linye ya batuba isapa makambu ya tenye wa. Lord, prepare me a holy sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me, Lord. Let me be a living sacrifice, sanctuary for you. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me, Lord, prepare me a holy sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. With thanksgiving, Lord Jesus, let me be a living sanctuary for you. With thanksgiving, Lord Jesus, I'll be a living sanctuary for you. Bande kuna pezi mino mbote, bisikabu zola na biso na minitoyo, ezala na Porto, na Afrique, na Asie, na États-Unis. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vous salue tous de partout, vous nous suivez de par le monde, en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie. Que Dieu vous bénisse. Nazana Esengo. Je suis dans la joie. Kozala na bino elongo, na zela ya télévision oyo, ou bien écran. Je suis dans la joie d'être chez vous par cet écran en cet instant. Je sais à la fin que nasuka, tu seras béni. Okopambola mapenza. Énormément. Okopambola mapenza penza. Bandeko. Bien-aimé. Na bengiango saison de la fin. Na bengiango eleko ya suka. Yango tokomi. C'est la saison que nous avons atteint. Ebele bazolala nano pongi. Nombreux s'endorment encore. Ebele bazaneti ba 5 ba 10 vierges 5 baza préparé na mafuta na bango. Ba 5 mususu bazaki distrait. Et comme les 10 vierges, il y avait 5 qui étaient préparées et 5 autres distraites. Nombreux sont encore comme ces vierges qui étaient distraites. Bandeko. Olingami. Les mots, la parabole. Denge Yesu abeta kayango, na sepeli denge lingala abenga kango. J'aime cette parabole comme on le dit en lingala. Alobi, cesse.
L'ICC. Merci. L'ICC. Ba parabole ya Yesu nyonso. Toutes les paraboles de Christ. L'évangile de Matthieu, Luc, Marc. Na Matthieu, Luc, na Marc. Ezaba l'ICC. Nombreuses paraboles de Jésus-Christ, comme on dit en lingala, l'ICC. Ezaba code na se. Ce sont des codes. Ezaba message codé. Ezali ba message oyo ba chango na ba code. Voilà pourquoi aujourd'hui. Dalatina nini lelo. Nazo partager na biso. Je vais partager avec nous. Na oyo na lobi décoder la fin du temps. Na ona limboli to décoder to ko limbola o eza na sima ya tango na suka. Oui, denya lobi. Ko décoder la fin du temps. Décoder la fin des temps. Ko limbola lobango lisusu. Ko limbola mikolo ya suka oyo. Décoder la fin du temps. Ko limbola mikolo ya suka. Bien-aimé, molingami. N'a découvert depuis des années que la parole de Dieu est codée. Utabambule leki na sosoliete liloba na nzambe chamine na se ya bakode. Bakode zana kati ya liloba nzambe sauf seulement le Saint-Esprit qui va te ouvrir les yeux. Nyango serait sentu nayo parce que okoyo kama kamulelo e ko choqué yo e ko tipesa yo chair de poule. Le bananzambe comment minde na lolenge ya basekele kaka molimo mo santu na ropesa o basekele wana o sosola yango bongama po makambo ko koningisa yo. Genèse, ba Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronomie, ozomona wana, ce sont des messages codés. Ko banana e bandeli Exode, Deutéronome, ozomona ezalinde basango bachango na se asekele. Daniel, Apocalypse, na ba parabole ya Yesu na ba Matthieu, Luc, Marc, ce sont des messages codés. Maloba ya Daniel ezala maloba ya Yesu na Matthieu, Luc, Marc, ezali nde ba sangwe bomba mina sima ya basekele. Et je bénis Dieu. Na pamboli nzambe na yango. Pour ces temps ici. Pona ngonga oyo. Na sambeli ngonga oyo ya confinement ezala ngonga ya réveil na vie na yo. Je prie que ce temps de confinement soit un temps de réveil dans ta vie. Père éternel, je te bénis encore. Tata na pamboli yo lisusu. Ndenge nazo kota na kati ya liloba na yo. Tel que je vais naviguer dans ta parole. Pesa ngai maloba qu'il faut. Donne-moi l'expression qu'il faut. Molimo Santo na yo azwa contrôle absolu. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle absolu. Et pesa batu bazola na ngai matoyi ya molimo ya koyoka. Et accorde à mes auditeurs, mes téléspectateurs, des oreilles spirituelles pour entendre. N'a pas mêlé tout esprit de distraction na menitoyo. Molimo nyonso ya kobulunginisa makanisi n'a pas mêlé yango. Na sambeli misu ya balandi nyonso ya molimo efungwama. Je prie que les yeux spirituels de tous les spectateurs basso sola qu'ils comprennent. Ba code oyé batama na kati ya liloba na yo. Les codes qui sont dans ta parole. Merci papa. Matondo tata. Merci. Matondo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Bien-aimé. Molingami. Na tangisi biso dernièrement. Dernièrement, je nous ai montré. Na Ephésiens 6. Dans le livre d'Ephésiens chapitre 6. Je vais continuer à lire ça. Na kokoba rutanga yango. Po eza mutu ya mekobosa na te. N'oublie pas. Na Matthieu mususu koleka to tangi Apocalypse 1. Nous avions lu Apocalypse 1 au premier verset. Ce qui bana bakoko tanga pona ngoi kozala malamu. Si on peut lire pour moi ce livre Apocalypse chapitre 1. Chaque chose qui a un commencement a sa fin. Et lokonyo so ezala kana ebandeli ezala pena suka na yango. Mutu abota milelo, un homme peut naître aujourd'hui. Abandi vie. Il commence sa vie. Ngonga moko ezo ya. Un temps arrive. Akosuka. Il mourra. Voilà. Osombe lamba kitoko lelo. Tu achètes un beau vêtement aujourd'hui. Ato lingi yango denge nini. Quoi que tu l'aimes. Eko sila un jour. Il finira par prendre fin un jour. C'est pour dire. Elingi koloba ete. Chaque chose. Eloko nyonso. Qui a un commencement. O ezana ebandeli. À la fin. Ezali pe na suka na yango. Et je bénis les paroles de Jésus-Christ de Nazareth. Na yango na pamboli maloba ya Yesu. Alobi je suis Alpha. Alobi ngai nde Alpha.
Je suis Omega. Omega. Na Apocalypse 1, verset 8. Donc, Apocalypse 1, verset 8. Je suis Alpha. Nazali Alpha. Je suis Omega. Nazali pe Omega. Je suis le commencement. Nazali Ebandeli. Je suis la fin. Nazali Suka. So pour te dire, tout ce qui est commencement a aussi une bandeko. Notre monde a sa fin. Que personne ne te trompe. Il avait commencé un jour. Et il a aussi sa fin. Dans tout ce que nous voyons arriver sous le soleil, ce sont des signes précurseurs du temps. Il voilà pourquoi Sengeli Tokeba. Souci n'anga banazame bazala évisé. Mon souci est que les enfants de Dieu soient avisés. Parce que Ngongao yonde Paul a lobby, ba faux prophète, ba koyana ba message, moko erroné. Et c'est en ce temps que Paul a dit, il y aura des faux prophètes qui amèneront des sectes pernicieuses. Dans l'Apocalypse, comme je viens de dire tout à l'heure, Apocalypse 1, verset 8, Yeshua lobby, je suis Alpha et Omega, le commencement et la fin. Et dans Apocalypse 1, 8, Yeshua lobby, Nazali Alpha P Omega et Bandeli P Sukaya Nyonso. Bien aimé. Molingami. Soki a lobi Aza Alpha. S'il a dit qu'il est Alpha. Qui est le commencement. Oh, Elingi Loba et Bandeli. Omega. P Omega. Qui est la fin. Elingi Loba Suka. C'est pour nous dire. Elingi Loba Nabiso. Nyonso. Tout. Ezana et Bandeli. Ah, commencement. Nyonso. Tout. Eza Pena Suka. A une fin. Moutumoka Kosayote. Que personne ne te séduise. Moutoua Botamilelo. Un homme peut naître aujourd'hui. Un jour, Yoki a commis mon colopé à Kofi Azongilisus. Il finira par vieillir et mourir. Toute chose a un commencement. Et le connu, Cézanne et Bassou. Somme Moutuka. Tu achètes un véhicule. Quoi que tu l'aimes. Un jour, mon colopé à Kokoufa. Ce véhicule ne fonctionnera plus. Nous étions un arbre au colissi. Et puis, Mina Mabel, un jour, qui a germé, et coli, et qui a poussé. Un jour, Kola l'a laissé. Il tombera un jour. C'est pour te dire, même Mokilioyo, même ce monde, quand on ne te trompe pas, il y a un commencement, et ben, il y a un fin. Souka saison. Yasuka. Voilà pourquoi j'ai dit que nous avons atteint la saison de la fin. Yangone na pesi, dengi na lobi tout à l'heure que thème nangaiza décoder la fin du temps. Et tel que je dis, le thème de notre émission c'est décoder la fin de temps. Tokotanga. Nous allons lire. Ephésiens 6. Le livre d'Ephésiens, chapitre 6. Version Derby d'abord. Nous allons commencer par la version Lingala. Derby. Lingala. Après version parole vivante. Et ensuite, nous allons lire la version okay. Parole vivante. Yep. Ephésiens, chapitre 6. Verset 12. À partir du 12e verset, version Derby. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle des méchancetés qui est dans les lieux célestes. Merci. Lingala. Lingala yalelo. Bambate. Biso tobundaka na batote. Kasina milimo oyo babengaka bakonzi ya likolo na se. Zokande yango ezalika ka bakonzi ya mokili oyo ya molili. Alléluia. Amen. Bandela Lingala. Bambate, bisoto bundaka na batote, kasina milimo oyo babengaka bakonzi ya likolo na se. Voilà. Nzokande, yango ezalika ka bakonzi ya mokili oyo ya molili. Note, ayekoloba, nzokande, ezalika ka bakonzi ya mokili oyo ya molili. Or, ce ne sont que les autorités de ce monde des ténèbres. Alléluia. Baza battu ya molili. Ce sont des humains mais qui vivent dans les ténèbres. Pourquoi nazo tanga eloko tozito tangi eza texte principal tozo tanga poto yeba que il y a des gens oyo Yesu abengi ba race de vipère. Ba semence ya serpent. Oyo ba koti na mokili na biso. Pourquoi je lis ce texte? C'est parce qu'il y a de ces personnes qui vivent dans ce monde que Christ appelait la race des vipères, la race des serpents qui sont dans notre monde aujourd'hui. Qui veulent contrôler et régir notre monde.
n'est pas tout être humain qui tu vois est humain à 100%. Il y a d'autres qui sont de la race de vipères. Tel que Christ les a appelés. Un jour, nous allons lire ce verset. Il les a appelés des vipères. Alléluia. Amen. Parce qu'on devait être avisé, toyeba, signe il y a fin du temps. Et c'est là qu'il a dit, toyeba, bilemboni, nous allons dire, tango ya souka. Nyon sotozo monoyo. Tout ce que nous voyons, ezakakabasine. Ce ne sont que des signes. Et belé bazo la la pongi. Et nombreuses personnes. Mais je suis ici pour la moussaïo. Je suis là pour te réveiller. Par la grâce de Dieu. Nanzela ngolo. Pour que ozanga te uratete mukolowa. Que tu ne rentres pas les grands jours. C'est ce qui est très important. Voilà des amours tout yamingi. Parole vivante, version parole vivante. Version parole vivante, Éphésiens 6, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Oui. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre. Oui. Ni contre des simples ennemis mortels. Mais contre les puissances occultes. Contre une organisation spirituelle satanique. Contre les dictateurs invisibles. Qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Yo moko osio yoki nazana besoin tena loba yo moko yoki me mo moko kakangai nazo bimisa wana balobi batu wana agenda na bango leur agenda projet na bango leur projet mission na bango leur mission bazana agenda ils ont un agenda moko yokangai bien tu vas me suivre ezapo ba contrôler ba régime okine na c'est pour contrôler et régir notre monde actuel et pour contrôler ba régime okine na et pour contrôler et régir le monde ba sali makambo ebele ils ont amené nombreuses choses oyo toza deja ko implementer ango tozo bazo implementer ango tozo mesana ango deja sans savoir dans lequel nous nous retrouvons déjà à notre insu biso tozo monango neti eza avancement technologie non ezande ba invention oyo esalama po ba koza mokili oyo selon bango bazaba quelqu'un et nous pensons que c'est l'avancement des technologies or ce sont des malices utilisées pour contrôler et régir notre monde yango il faut to décoder makambo yango to bi décoder la fin du temps yango ne sengeli to ba ko limbo la tango ya suka la fin du temps est proche tango ya suka comme il peine. Il voulait contrôler et régir notre monde. Pourquoi contrôler? Pourquoi régir notre monde? Tu vas l'entendre. Yolanda. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Olingami. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 3. La Bible est codée. Il faut décoder. Et c'est lui qui a fait la Bible. Amen. Genèse 3, verset 1. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 3. À partir du verset 1. À partir du premier verset, version Darby. Or, le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme: quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Verset 2. Et la femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point certainement. 5. Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts. Et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Verset 6. 5. Une autre version. Version Lingala Alelo. Merci. Genèse 3, à partir du verset 1er. Nakati yabanyamanyoso oyo yawe nzambe asalaki, nyoka azalaki nyama.
moko aleka ki na mayele ya kokosa. Atuna ki mwasi. Ya solo, zamba pekisi te boli mbuma ya banzete nyoso ya elangate. Deux, mwasi ya zongisi. Toko ki koli mbuma ya banzete nyoso ya elanga. Trois, kasi pona nzete oyo ezali na katikati ya elanga. Nzamba lobaki, boli mbuma na yangote. Bosimba yango pete, soki te boko kufa. 4. Nyoka alobi, lokuta, boko kufa te. 5. Nzamba lobaki bongo, po ayebite mokolo boko liye yango. Miso na bino ekofungwama, boko mona, boko koma lokola nzambe, pe boko zwa mayele ya koyeba, makambo ya malamu na ya mabe. Alleluia. Amen. Na lingi version anglaise alobike, mais le sapin était rusé. Le sapin était un créature rusé parmi les bêtes. More bêtes, one. Parce que les lots, toujours, t'as la macambo belé, toujours, t'as la liaison entre Genèse, na aussi Apocalypse. On a décodé le fin du temps. Nous allons faire une liaison entre la Genèse et l'Apocalypse. Voilà pourquoi j'ai aimé la version anglaise qui parle de bêtes. Ok, merci. Version français courant, Nabandi à partir à verset 4. Le serpent répliqua, pas du tout, vous ne mourrez pas. 5. Mais Dieu le sait bien, dès que vous aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Alléluia. Verset 1, français courant. Version français courant, verset 1er. Les serpents étaient les plus risés de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Tous les animaux. Mais, animaux, on a une version mieux bête. Version King James. Notez la phrase on a bête. Note. Ce que vous avez dans l'Apocalypse, par exemple, par illustration, il y a une chose. Ba bête, neti, ba tchè lion, ba tchè, na monde des esprits, ba it sakaba, ba symbole ya ba nyama, neti, le lion de tribu de Juda, bisous, toyebi, Esaïe, Soumassia. Ce que tali na Apocalypse, tali Daniel, au monake, atali ba alobi ous, lion, léopard, na monde des esprits, ba it sakaba, ngaï na sina sali, délivrance pour na moutou, li bota na bango, et neti ba africain to mesani omona na lopango mususu selomba koko bazana piton piton wana ekufa kate ezalaka wana ba adora kayango ba mususu ba lié esprit ya libota na liopa na inyama songolo eza to ebyango awa mukozi mususu asia leka me ye aliango na liopa. Par exemple, na Congo. So, na monde des esprits. Na mokilia milimo. Banyama, ba bête, bazana ba signification. Les bêtes portent des significations. Toyebi, les rois des forêts, c'est qui? Lion. Toyebi, mokonzi ya zamba. Yesu, amibengi, les lions des tribus de Juda. Et Jésus s'est appelé Kosi ya libote ya Yuda. Ne sois pas perdu. Na ebandeli tango zamba salimutu. Quand Dieu a créé l'homme au commencement. En galélo na zolo ba makambo tozo landa tante na mutu na ngai a studio akolanda kaka dingwa na makambo teke na za limité na 30 minutes ne ezate. So na lengi batu ba pambola manani na zo atananga parce que okoyoka makambo eko fungula yo miso. J'aimerais prendre mon temps car tu vas entendre des choses qui vont ouvrir tes yeux. Tango zambe a sali mutu. Quand Dieu a créé l'homme, a sali mutu. Il a créé l'homme à son image. Il les a mis au jardin d'Eden. Parmi les bêtes, et parmi les bêtes, les serpents, ils amoko. Le serpent faisait partie. Balobi, le serpent était rusé parmi les bêtes. Et la parole de Dieu dit que nyoka za version anglais lobi bongo nazolo ka phrase version française soki koko ibzanga itanga pona ngai. Voilà version parole de vie Genèse chapitre 3 verset 1. Voilà parmi les bêtes sauvages voilà que le Seigneur Dieu a faites,
Les serpents et les plus rusés. Quelle version ça, s'il vous plaît, monsieur? Version parole de vie. C'est aussi que vous avez la parole de vie qui nous tangue pour mon attaque que Jésus est en train d'inventer des choses ici avec mes gens. Non. Pandela. Version parole de vie. Genèse chapitre 3, verset 1. Mm-hmm. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Voilà. Il demande à la femme, est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne mangez aucun fruit du jardin? Verset 2, la femme répond au serpent, nous pouvons manger les fruits du jardin. 3, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ces fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. 4, le serpent répond à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. 5, mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. Il n'a pas encore changé. Il y a des races, les lots, bazaba race, il y a serpent. Il y a une race sur la terre qui a la sémence, il y a serpent. Qui ont la sémence du serpent. Serpent, c'est Lucifer, le dragon. Nyokande, Satan. Et bazawana po. Bakokisa mission naye. Et ils sont là pour accomplir sa mission. Na Jean 10:10 Yesu Masia lobi. Dans Jean 10:10 Christ a dit. Mission ya serpent, Lucifer, le dragon, c'est quoi? Voler, détruire et tuer. Mission ya Satana, eza koyiba ko bebisa pe ko boma. Mais Tasi, Yesu lobi. Christ a dit. Je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Cet ancien sapon n'a pas encore changé. Il a toujours sa sémence. Et la sémence wana bazo kokisa mission naye. Et ils accomplissent sa mission. Koboma. Tuer. Mokili mobima. Le monde entier. Faut être belé. Afin que nombreux aillent en enfer. Awa, ici, aye, ko tente mutu zame sala. Il est venu tenter l'homme que Dieu a créé. N'oublie pas au moni, la bête. Tu as vu la bête. Parmi ba bête, balobi sapon était très rusé. Quand il y a banyama wana, nyo kazaki wazana maele. Et tango aye, quand il est venu, aise bangbolia, manger. C'est pas un problème. Likambo zate. Oza la sage. Tu seras sage. Toujours ye, ayaka ko tente mutu. Na kotali sayo tala bien eza boye eza kitoko eza boye, c'est comme ça il fait. Même son qui toke pona eza que la Bible est codée. Yes. To zui Genèse to keina Luc to keina Marc tango Yesu a za na 40 jours 40 nuits a ye li susu kaka même serpent. Mm. Et a ye na même style. Tu vois? Soki oko adore ngai. Si tu m'adores. Problème na ye munene ya mwana. C'est ça le problème. Mba adore. Même Apocalypse le biango. Même Apocalypse le dit. Soki oko adore ngai. Tala royaume oyo yoso ezanga na ko pesa yo. Je te donnerai tout ce royaume. Ye abenda kaka na miso. Il attire par la séduction. Il te fait voir ce qui brille. Oh, la parole de Dieu nous avait dit, Zambi Alobi, il n'y a qu'un seul Dieu qu'on doit adorer. Yes. Yes. Pas autre chose. Yangona dernier temps. Voilà pourquoi en ces derniers temps, aye pesa en totalité na séduction, na ruse. Et yango il faut tokeba. Lelo na kotel sa biso toyeba. La bête. Et instrument naïe, image naïe. C'est un numéro chiffre d'un homme, oui. Les animaux tango ya moto ya solo. Mais azana ba instrument déjà oyo to simbi na maboko, mokili mobimba tozo kokate sans ça, to komi ko adorer ango et komi nate loko ba instrument wana, ba image naïe. Mais c'est un homme oyo akomi monisama après quelques temps. Tant qu'antichrist. C'est un homme qui se révélera. Mais nous avons déjà 16 instruments entre nos mains. Alléluia. Amen. Et les lots sont décodés déjà. Ben, instrument 1.
Aujourd'hui, nous décodons déjà ces instruments-là. De l'image de la bête. Oui, Zotalisa, Miyamawana. J'aimerais que nous allions dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13. Apocalypse, chapitre 13. Oui, Apocalypse 13. Verset 1. Apocalypse chapitre 13 à partir du premier verset, version Darby. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Une bête encore. Yes. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Alléluia. Yes. Et sur ses parle à Zoloba des royaumes na Bamboka et des un roi. Bena Mokonzi. Voilà. Une bête. Niama. So, zomuna, par rapport l'iloba zambe, il faut décoder. Vous voyez que la parole de Dieu, il faut la décoder. Continuez. Je réponds. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Alléluia. Verset 2. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Et ses pieds comme ceux d'un ours. Monique Awape Bazo utilisait image Yabanyama bête. Yes. Yes. Voilà. Comme Jésus aussi a utilisé. Voilà. Parfois, Babenge, l'agneau de Dieu. Yes. Et même dans le monde des esprits, dans le monde même des mondes des ténèbres. Voilà. Ok. Yes. Mm-hmm. Et sa bouche. Comme la bouche d'un lion, et le dragon lui donna sa puissance et son trône. Et qui? Le dragon lui donna sa puissance et son trône. Oui. Et un grand pouvoir. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, et sa plaie mortelle avait été guérie. Oui. Et la terre tout entière était dans l'admiration de la bête. 4. Et ils rendirent hommage au dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et ils rendirent hommage il à la bête. Il avait donné le pouvoir à la bête. Yes. Voilà. Et ils rendirent hommage au dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et ils rendirent hommage à la bête disant, qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle? Verset 5. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des grandes choses et des blasphèmes. Ouais. Et le pouvoir d'agir 42 mois lui fit donner. Alléluia. Verset 6. Nako kene na détail mingite lelo. Toba okende ango pole pole pole. Nous allons avancer à petit feu. Mais yeba ke. Sache que. Quand nous parlons. Donc to zoloba. De la bête là. Na miyamawana. Ezamutu. C'est un homme. Et la Bible dit. Dubanza melobi. Que celui qui est sage. Qui a l'intelligence décode les chiffres des nombres de sept hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est royaume. Dix comptes sont des royaumes. Je ne vais pas encore entrer dans les détails. La révélation. Moi, j'entre dans les révélations a révélé que Dieu m'a montré. J'ai suivi nombreuses prédications. Mais j'étais seulement tellement béni par Pasteur Mbaya Grégoire Matea na ye pambolinga makasi. Et na pambola makimingi na Matea Pasteur Grégoire Mbaya. Mais na vandi nazo réfléchi. J'ai réfléchi. Et le Saint Esprit me révèle beaucoup de choses. Oli mon Saint bani ko teli sanga makambo ebele. Bien aimé. Oli ngami. Soki otangi place to itko yoka oyo balobi et le dragon a donné à la bête. Qui est le dragon? Lucifer, Satan. Et soki po tangi sika oyo elima apesa ki moyana niyama. Nani ne niyama wana? Satan. Et dans Apocalypse, alobi alingi mokil mobi baba adoré. Et dans Apocalypse, il est dit que il veut que le monde entier puisse adorer cette bête. Tangwa ye ko tempte Yesu pe asengini ni to tanga ngo.
si tu vas m'adorer, je vais te donner. Et quand il est venu tenter Christ après son jeûne, il lui a aussi demandé de l'adorer pour qu'il lui donne. Il lui a montré les royaumes. Il est venu au jardin d'Eden. Il a montré à Ève. Valeur, tina, importance. Yakolia ndeko. Bien aimé. Place na sokene. Là où je vais. Soki zambi asali mutu. Si Dieu a créé l'homme. Tango asali mutu na Genèse balobi. Quand il a créé l'homme, tout était très bon. Yeso cela qui dit toko makasi. Tout était déjà très bon. On n'a besoin de aucun sel comme ça. Je n'avais plus besoin d'ajouter quelque chose. Because Satan ye alobi yo only a fruit moko bo eko komisa osa. Mais zambi asali yo déjà osa déjà complet. Dieu t'a déjà créé complet, mais le diable te pousse à manger un fruit qui va te rendre sage. Ce qu'on place autant dans l'Apocalypse, il faut battre et le comoko et le comoko bamini au bis RFID battre na maboko na biso. C'est pour dire que oyozambi asali et coquité esa parfait. Oh my God! Et comme nous lisons dans l'Apocalypse aujourd'hui, ils veulent implanter des puces électroniques dans le corps humain. C'est comme si Dieu avait créé l'homme incomplet. Même serpent a changé. Yende a ye alobi non zoki o lèvre oui oyo boko massage boko kaka denyi moko lelo zoki oza na eloko oyo moni tu vois eko facilite makambo. Cela va faciliter les choses. Na maboko na yo ofungoli mutuka. Tu peux ouvrir ton véhicule par la porte de la maison. Compte bancaire, tu as ton compte bancaire, ton passeport, tout. Tous à la maïle. Soyons sages. Tous à la sage. Tous à la maïle. Il est rusé. Azana maïle ma belle. Parce que mon snaïe, basi basui bokonzi amokmo. Basi baki basui ki bokonzi amokilio. Sa race a déjà pris le contrôle de ce monde. Et baso continue agenda naïe. Et bon, bazo koba na mabongisi na ye. Yango alobi. Voilà pourquoi il a dit. Tuzo bundate contre simple ennemi mortel. Oh baza, baza simple te. Qui voulait dire ba dictateur invisible. Baza wana babatami. Quand je parle, je ne parle pas des présidents des pays. Non, non. Baza oyebi bango koutute. Baza wana. Qui voulait contrôler et régir notre monde. Yango alobi. Tuzo bundana bato ba koufa kaloko la bato nyon sote. Nazo bako tute bako ndiambo kate. Ezali bato bazana bon moi. Kasi baye bani koutute. Balingi bako ndiambo kili na biso. Le même système. Ezara système moko. Ecoute-moi. Yokanga. Satana atali sakayo toujours avantage ya eloko ebeta kana misu. Ye atali sakayo mesu kasuka eza po a détruire yo. Le diable te fait voir l'aspect qui frappe à l'œil, mais à fin de compte, c'est pour te détruire. Alléluia. Amen. Donc, papa, permettez-nous d'entendre la version parole de vie à Éphésiens 6. Merci. Éphésiens 6, verset 12. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit. Qui dirige le monde de la nuit. Qui dirige le monde de la nuit. De la nuit. Des dictateurs invisibles. Amen. Dans le monde de la nuit. Yes. Maintenant, tout okay. Avance. Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13. Tu vas au salat, tu as soif fait. Tu as soif Genèse. Ok. Tu as maintenant la marque. Ok. Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse chapitre 13, verset 8, version Darby. Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n'a pas été écrit dès les fondations du monde dans les livres de vie de l'agneau immolé, lui rendront hommage. Verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Merci. Ceux qui osana matoi alobi yoka. Amen. Parce que yé alinga adoration mingi. Il aime l'adoration. Abimeli Yesu alobi si tu m'adores. Il est apparu à Christ ce qui m'bomba bien. Yé alinga kayango. Il aime l'adoration. Dès le début et lokwazo lukayango. C'est ce qu'il recherchait dès le début. Ngo okomona ke ba instrument na ye ba image na ye déjà. O eza déjà na mokili. Bolimo santo atalizinga presque mokili mbomba déjà. Tozo adorer sans savoir.
mais ses instruments dans le monde. Suka suka. En fin de compte, azo lingato adorer. Il veut que nous l'adorons au lieu d'adorer. Y a un temps où il est tenté Jésus. Jésus a zongi sié. Quand il est venu tenter. Non, je ne veux pas t'adorer. Jésus a répondu. Il est seul. Na ongu ma melayote. Kaka nzambe moko. Sauté, toké, verset 12. Verset 12. Verset 12, Apocalypse chapitre 13. Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et fait que la terre et ceux qui habitent sur elle rendent hommage à la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. 13. Et elle fait des grands miracles, en sorte que même elle fait descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. 14. Et elle séduit ceux qui habitent sur la terre à cause des miracles qu'il lui fut donné de faire devant la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image à la bête qui a la plaie de l'épée et qui a repris vie. 15. Et il lui fut donné de donner la respiration à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât même, et qu'elle fit que tous ceux qui ne rendraient pas hommage à l'image de la bête fussent mis à mort. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Oligami, image de la bête, oh, tu dois comprendre. Nous comprenons cette image de la bête. Cette bête-là, nous parlons, c'est un système basé sur la cousine à Mokil. Ils ont des lolengi à cause de la macambo, ils ont déjà la Mokil. Et basé sur un instrument à main. Et basé sur un bisalé lina. Un instrument à main, basé sur image à main. Ces instruments, c'est ça. Déjà, ils sont opérationnels. Ils ont déjà la Mosala. Mon corps, ils ont eu tout simi na maboko. L'un de ces instruments, par téléphone, par internet. L'internet, le téléphone. Ils ont un instrument, une image de la bête. Ils arrivent ça les liens. Oh, celui-là, la bête, va utiliser énormément dans ces derniers temps. Yango wana bazo bunda makasi bako sa haute niveau ya technologie haute bengi 5G partout pour a koka kosala makamuna. Et yang eza makamuni ama wana zo sela yango ne bazulu kage internet eko mama kasi pour te baza na bo pete ya kosala makambo. Alléluia. Amen. Continue. Et konono bobi baba lobi mutu a kwa adorer ngote. Parce que bazo kende bazo kazake fom no boga tele matuzo guza matuzo adorer. Oui, il est un représentant, il y a un chiffre wana balobi 666 et za numéro ya énorme. Oya ko se manifester to benga ye antichrist aza contre yonso Yesu Masia. Mais aza na ba image, aza na ba représentant. Oyo ba se ba symbolise biso même aujourd'hui, mais maintenant si koyo place bazo kende là où ils vont, il faut eloko wana ekota na nzoto ya mutu. Il faut que ce truc là entre dans le corps humain. Et la Bible est contre cela capitalement. Et le bananzambe telemeli yango penza. Donc tanga ngo na Apocalypse 14 lilo. Nous allons lire mais tous ceux qui n'ont la 13. Verset 16. Apocalypse chapitre 13 verset 16. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, et riches et pauvres, et libres et esclaves, on leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur front. 16 lingala. Boye niama oyo etindi bato nyonso na makasi ete bazwa elembo na liboko ya mobali pona elongi. Pona nini na makasi? Pourquoi pas force? Bolingo ezala kama kama makasi te? L'amour n'est pas forcé. Soki eloko ekomi makasi, c'est-à-dire ekomi ezana agenda. Si ezana tina. C'est que eloko moko ebatami na sima. Yes. Il y a quelque chose caché. Verset 17. Et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Okay. Soit aux la marque wana de la bête ou le nom combo ou le chiffre wana. Yes. Yes. Ok. Boye nyama etini bato nyonso na makasi te. Nyama omoni babengi nyama. Nyama la bête. Nyama wana abimeli Adam na Eve. Il est apparu à Adam na Eve. Nyama wana abimeli Yesu na 40 jours 40 nuits. Il est apparu à Christ. Vous
Vous l'avez vu? Boye nyama oyo etindi bato nyonso na makasi ete bazwa elembo na liboko ya mobali. Bona nini otinda bato na makasi soki ozana eloko moko te olingi osala? Pourquoi forcer? Oh, bolobi bozo sunga bato eza makasi te. Continue. Ezala bato ya minene to bato pamba. Bato oya bomengo to bato bakelela. Voilà. Baumbu to babonsomi 17. Ata moto moko te akokaki kosomba to kotekisa eloko soki azangi elembo yango. Yango. To kombo ya nyama to pe talo oyo ekokani na kombo na yango. Aha. Verset 18. Oui. Ici est la sagesse. Alors, oyo nde boya. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête. Oyo azama yele, celui qui a l'intelligence compte le nombre, azana nombre. Hein? Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre. Alobiango, c'est un nombre d'hommes, azamutu. Yes. Et son nombre est 666. Voilà. Et numéro na ye 666. Maintenant na kotel sabino. Je vais vous montrer. Pour monake a komi komi bimisa muke muke. Pour voir qu'il commence à se révéler petit à petit. Naba kashne mususu na réseaux sociaux ba komi 666. Il y a des kashne qui portent la marque 666. Naba makamususu tosoma kana ba alimentation kolia ba carton moni ba komi kokoma lelo 666. Sur certains emballages même c'est marqué 666. Tiye moko akoya komi manifester. Jusqu'à ce qu'il viendra se révéler lui-même. Na téléphone oyo to simbi na maboko. Ce téléphone que nous tenons à la main. Eza deja ba image na ye. C'est déjà l'une de ces images. Eza pe 666. C'est aussi clavier nyonso ya téléphone na yo ndeko yebango eza 666. Le clavier de ton téléphone c'est 666. Soki omzui clavier ya téléphone na yo. Si tu prends le clavier de ton téléphone. Nazo like sa yo. Je te montre. Il faut tofunga la mayele ya bato. Okomona ke eza na 1 2 3. Tu verras que le pavé numérique compte premièrement 1, 2, 3. 1, 2, 3, wana. Additionné en go. Si tu additionnes ces trois nombres. Epesio égale 6. Ça te donne 6. Yao Yelandi 4, 5, 6. Le suivant 4, 5 et 6. Ou additionné en go. En additionnant. Epesio 15. Ça nous donne 15. 15 wana osu 1 plus 5. Epesio nini? Chiffre 6. 6 yali bozo 6 yami. Yami sa tu. En troisième. Aujourd'hui 7, 8, 9. Au additionné en go, et pesiso 24. Ça donne 24. Au kamati 2, na 4. Et pesiso 6. 2 plus 4 nous donne 6. 6. Ça là, on a un nakuna. Essaye de le faire chez toi à la maison. Na lobakango bandiminyo sur la commission yo balobaka. Kutu un jour na chair na poids qui téléphone. Abi eloko yo eza démon. Nazo deep sa bon. Démon de basimbizibiso na maboko bande koto la muka. Nazo lobango bandiminyo sur la vitamine ba yebi makam nazo lobo. Même les fidèles de notre église savent de quoi je parle parce que j'en ai parlé plusieurs fois au culte. Oyo eza moko ya ba instrument. Ya bête wana. C'est l'un des instruments de la bête. Eza moko ya ba image na ye. C'est l'une de ces images. Oyo azo utilise. C'est qu'il utilise. Et Bible le bitango moni makambo oyo. La Bible dit quand tu verras ces choses. Yeba que la fin est proche. Yeba te suka ya makambo komi pene. Mutu akozwa mark wana. C'est lui qui recevra cette marque. Il est condamné à l'enfer. Yako ke nembala automatiquement. Nambala moko. Yangwana nangongo yotoke babandimi. Bien-aimés, soyons éveillés. Pour il y aura des faux enseignements. Et que ça la matière à l'opinion. Bah, c'est pas grave. On te dira que zone ayo dit. Mais la parole de Dieu nous a dit. Tu ne peux pas accepter cela. Apocalypse 14 verset 9 et 10 natanga. Apocalypse 14 verset 9 et 10. Apocalypse chapitre 14 verset 9 et 10 version d'Arby. Et un troisième ange suivit celui-là, disant à haute voix, si quelqu'un rend hommage à la bête et à son image, et qu'il reçoive une marque sur son front ou sur sa main, verset 10, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, oui, okay. Verset sans mélange
dans la coupe de sa colère. Oyoki. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Oyoki. Tu as entendu? Lingal. Lingal, Apocalypse 14, verset 9. Ange lui a mis ça à l'andi lissoussou, pe à l'obi na mongongo makasi. So qui moto a fou kameni niamana e keko na yango. Pe a zui elembo na elongito na liboko na ye. Oyoki nyama. Na ekoko ekeko ekoko ezani ni eloko moko ezo representer moto nati omoni ba ancien president tozan ba ekeko na bango hein na ba bobenga oni ba rond point kasavuvu le mulum lumumba na échangeur biloko wana nde tobenga exemple ekeko. So la bête aussi azana eko moko ya ekeko ya bête yangoyo. Amen. C'est l'une de ces statues que nous tenons à la main. Clavier wana eza 666. C'est clavier c'est 666. Siko oyo balobi to zo angote na maboko oba bengi RFID. C'est-à-dire radio fréquence d'identification. Yangope eza moko. Yaba instrument na ye. Même cette puce d'identification par radiofréquence, c'est l'une de ces images. Alléluia. Amen. Pour mon aké, yango pe tant obé ta machine siko kalamingte eza iloko wana bako bazolo ba bache na nzoto ya moto parce que vacciner ba tupo ba bela te eza lokota eza kaka numéro chiffre de la bête. Linga la verset 10. Zambe a komelisa ye kopo ya loto ko ya kanda na ye. S'il te plaît. Verset 9. Oui. Ange lui a mis ça to alandi lisusu pe alobi na mongongo makasi. Oui. Soki moto afukameli nyamana ekeko na yango. Oui. Pe azui elembo na elongito na liboko na ye. Oui. 10. Zambe a komelisa ye kopo ya loto ko ya kanda na ye. Et oyo esangana na maite. Voilà. Akomelisa ye nini? Kopo ya lotoko ya kanda na ye. Ya kanda na ye. Oyo esangana na maite. Oyo esangana na maite, aha. Boye moto yango akomona basi na moto be fofolo. Akomona basi na moto. Lifelo eza moto, aha. Penini be fofolo uh-huh. Na miso ya ba angelu ya bosantu uh-huh. Na miso ya mwana meme mwana meme nani mwana meme Yesu Masia sadi ye moko atali yobo na miso na ye ifoza parce que apekisi okozwangote parce qu'il t'interdit kotika te mtu moko akosa yo na ba false enseignement que personne te séduise avec des faux enseignements maintenant zongila verset 9 wana alobiso ki mtu azui mtu moko tanga papa verset 9. Verset 9. Nina lingala. Ange lui a mis ça à l'andi lisusu pe alobi na mongongo makasi. Soki moto afuka meli ni amana ekeko na yango. Ouais. Pe azui elembo na elongito na liboko na ye. 10. Soki azui ango na liboko soit na elongi na ye. Verset 10. Zambe akomelisa ye kopo ya lotoko ya kanda na ye sukawana. Soki ozui zambe asiliki na yo bala moko. Si tu prends cela, tu es condamné. Dieu se fâchera avec toi et tu seras condamné éternellement. Yango alobi, c'est lui qui est sage. Qui a l'intelligence. Oyazana mayele. Akoko beta machine. Il peut calculer. Yango yo. C'est ça que nous tenons. Et ils ont déjà commencé par les téléphones. Seulement, toboyinde apa atayo moko. Imaginez-vous-même. Pourquoi eloko eza électronique babenga opus et akokota na nzoto ya moto. C'est-à-dire bozulo ake nzoto ya moto eza complète, eza correct, l'évoque kabatie. Pourquoi implanter une puce électronique dans le corps humain, vous pensez que ce corps n'est pas complet? On n'a pas besoin d'une substance externe. Écoute, on a quatre ans autour de nous. Tous les apôtres et l'autre à mon paillaté, on a quatre ans autour. Pour vivre. Tous les apôtres. Contre, disons, malade, mon corps virus, mon corps nini, bako ko na biso.
bazo vivre selon liloba ya zambe abi na sali bino selon dengi alobi total ngo na Genèse sima Genèse 1 verset 29 abi ba plante a ba prouvé ba plante na pesi bino atanke bilei ba met tout ça là wana ba vivra di longtemps 900 ans kana biloko wana et loko yo se bit sakanzoto ezana kati ya ba plante na banini wana. On n'a pas besoin de quelque chose externe. Écoutez la biseau. Un puce électronique. Et là, comme un saline électronique. Yango. Voilà pourquoi. Alors, c'est lui qui est sage. Papa, biseau, c'est ça sage. Alors, nous faisons des recherches à propos d'un sujet. Bandimi ya commission na bibiso ba ebiki na lobakango depuis des années, il y a beaucoup de choses que je connais mais ce n'est pas le temps de parler de ça. Na lobakango baza témoin na ba oyo bavananga baza témoin que na lobakayango, oui ou non? Les fidèles de notre église savent que je l'ai dit très souvent. Il y a nombreuses choses que je connais déjà mais que je peux ça pas fait plus que 20 ans. Il y a des virus, il y a des nini ezana ba laboratoire oyo ba kobimisa na ngonga ese ba oyo bazananga so ba lobangu na micro baza témoin na lobakango. Amen. Voilà. Et j'ai dit plusieurs fois que ezana ba malade oyo bazo lamba na kati ya ba laboratoire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, oligami, le Dieu qui nous sert. Nzambo tozo salela. Akoti kabiso pamba boete. Ne nous laissera pas ainsi. Yonso asalaka. Tout ce qu'il fait. Atikaka toyeba. Il laisse que nous puissions découvrir. Avant. En avance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Pona yo oyoki. Pour vous qui avez écouté. Moko ya instrument na bango yango yo na laxio clavier na yo esi laxio déjà. L'un de leurs instruments, je te l'ai prouvé par le clavier de ton téléphone. Ok. Avant to kende musika na oyo. Avant de aller loin, soki to beti machine ya eloko wana oyo kala mingi te bakolinga ko tie disons soki bazo tie pona ko etufe maladi parce que ndeko bien-aimé na lubaki yango na banzi na ba matia na ngai tangu na bandi eloko oyo na Matthieu chapitre 25 to 24 to tanga ki yango Yesu alobi c'est ici les fins. Les signes de fin du temps et la consommation du temps à l'obi na verset 6 et verset 7 à l'obi il y aura des épidémies, c'est-à-dire des épidémies de flio ba maladie au net corona oyo mais et silinante tango ba komona ke ba race de fipe wana ba monike loko yo ezo simate bo mona de grave. Et ko ya lisusu oyo bakolinga ko itizan ko obligé batu yonso ke ok poto za la vacciner contre loko ebo mabisote il faut tozwa eloko wana balimba che na bula maboko e eloko ango selon kombo ba pesi soki to beti machine selon Apocalypse chapitre 13 verset 18 alors c'est lui qui est sage. Yes. Et qui a l'intelligence à décoder ce que au tali au komona ke chiffre ya mo wana radio frequency d'identification ezakaka chiffre 666 selon loi na bango ya baras de vipère. Si vous calculez très bien la signification de RFID, vous verrez que ce n'est que 666. Comme le livre d'Apocalypse a dit, celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Parlons-en. N'aie pas peur. Écoute-moi. Digère déjà ce que tu as mangé. Babengango radio fréquence identification. Identification par radio RFID. Maintenant tout à l'heure. Nous allons voir. R na alphabétique dans l'alphabet français. R est numéro combien? Ce que on dit A B C D E botanga ponanga tanga na nako atawa mutu moko tanga A B C T na R to tangi est combien? Okomona ke pesi au numéro chiffre 18. La lettre R selon l'alphabet c'est la 18e lettre de l'alphabet. Après F to bandi radio frequency. F
lettre F est chiffre combien? La lettre F, c'est la sixième lettre. Et la sixième lettre. Et RFI, lettre I-Wana, ou babengi identification. Et ça, chiffre combien? Lettre, chiffre combien? Et la lettre F, c'est la neuvième lettre, la lettre I. Et ça, neuvième lettre. So, ce qui est kamati R, 18e. 1 plus 8 est pessimiso 9. 1 plus 8, 9. F est un chiffre 6. 9, 6. Et I est un chiffre 9. Tu commis 9. Et ça, c'est 9, 6, 9. Ce qui est balusiango selon loi na bango na barras de vipè na nombre na bango esotérique et ko bimisa yo o balusi o mona 9 na 6 ce que balusi 9 et pc 6 yes so balusi deux chiffres il y a 9 9 6 9 il y a le col 9 il y a c et pc 6 6 so to ce qui wa bi 6 6 6 et so tang ba ko tena maboko. Et loko wana Bible prophétisé que yo koko zwangote ba uchango wapi na maboko. La Bible a dit que toi tu ne peux jamais accepter cela. On va mettre ça à la main comme l'a dit la Bible. Alléluia. Amen. Baneko. Bien aimé. Le diable est très rusé. Satan azana maele mapé. Il joue avec des symboles. Azo sakana na bilembo. Avec des codes. Na ba sekele. Oh, la parole de Dieu nous a tout dit. Le bananzame est telle exhibition. Ce qui est dans la Bible, il y a des choses qui n'est pas permis de dire maintenant, mais à son temps, ça va se révéler. Et le bien est dans la macambo, et puis ça m'indique la terre pour le bas. Quand il y a un monde, il y a un monde qui m'a dit ça pour ça l'a révélé. Et voilà pourquoi ces choses sont révélées aujourd'hui. Baneko. Bien aimé. Tous au courant. Nous continuons. Ce qui m'a dit que les gens ont quand même un cas de crédit au bandit qui utilise un go, aux autres, ils ont un somba. Et maintenant, quand ils ont un swan, ils ont un cas de crédit, ils ont un téléphone, ils ont un cas de crédit, ils ont un cas de crédit, parce que pour au somba, au teka. Mais la Bible est le bi, et le côté corps étranger est côté dans soto. Si quelqu'un te dit que ce n'est pas mauvais d'avoir cette puce, car tu utilises déjà des cartes de crédit, sache que la Bible a dit que ce n'est pas bon de mettre cela. Ok, nalina tuna yo yo mutu okomi électronique. Et toi, un humain, tu deviens un appareil électronique? C'est-à-dire, dès que ba koti si yo tala, puce est dans un téléphone, n'est-ce pas? Hein? Une puce dans ce téléphone? Na biloko wana, na carte de crédit, ezali? Il y en a dans la carte de crédit? Merci. Maintenant, écoute. Yoka. Bisika yon soko kende. Partout tu iras avec cela. Il y a un signal. Ezali na signal moko elekata. Réseau ezo connecté na satellite. Il y a connexion réseau. Bakoye bake, papa d'ailleurs, aza na ba Congo na minito yo. Ako se eloko na simbi na mabuku. Savoir que papa d'ailleurs est au ba Congo à cause de son téléphone. Même la carte de crédit, dès que tu l'utilises, quelque part on saura que tu es là. Maintenant, dès que ça entre dans le corps humain, robot. Tu deviens un robot. Exactement téléphone. Tu deviens exactement téléphone. Dengue. Dans les réseaux sociaux, je suis à Vodacom où j'étais OK, je suis à Tindeli, message, je lance un net, je suis kakaka, stop, corona, corona, corona. Je suis à téléphone, je suis à Kebala, je suis à Sorne, corona. Je suis à la ah, papa, je suis à corona. Je suis à Jete, je suis à la Kokoma, je suis à Kokoma, Okoma Bongo, Okomi guide, contrôlé. Bako contrôler même ma carte snaio dengue zo réfléchir bako tindika o sala e loko link o salate o komi téléphone o komi robot et tel que les fournisseurs d'accès réseau peuvent contrôler nos téléphones à distance nous envoyant des messages même contre notre volonté de même ils vont te contrôler tu deviendras comme un robot bazola ksayo kaka dengue lucifer alobi ayebsi
serpent a epsi Adam na Eve. Oh Eve, liango ekukomisa yo sage, okoyeba, okozala mayele intelligent super, okoyeba mabena malamu. As kaka bongo bakotali sayo na ngonga keno omuni eza mutuya uzana besoin to mema eloko yo ba document ba dossier tout est relié dedans. Tout. Bakolaki sayo avantage. Oh, ce n'est pas ça. Ezande kobomayo. Et tel qu'au jardin d'Eden, ils te montreront les avantages, l'aspect brillant de la chose. Or, dans l'ombre, c'est pour te tuer. Alléluia. Amen. Yago Bible lobina Apocalypse 14. Moi, dans un million, se retenir en go. Apocalypse 14, 9 et 10. Alobi, oko kiko soa eloko wana. Et la parole de Dieu le dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, que tu ne peux pas accepter de prendre cette marque. Place à l'obi, ka place wana, na main et na fond. Et belé, bazo kazake, ba okoma elo, koma kobo e na mutuna yo. Non. Nombreux pensent qu'on va écrire un nombre à la tête. Non, ce n'est pas ça. Pourquoi quelque chose, substance, mon corps extérieur, écoute maintenant na zoto. Et la ruse, ya serpent, la bête là. C'est la ruse du serpent. Adam na Eve. Tel qu'il a fait avec Adam et Eve. Ok, na Marc chapitre 1. Allons dans le livre de Marc chapitre 1. Au mon Jésus aussi. Tu verras aussi Christ Jésus. Nous parlons de décoder la fin du temps. Tozolo bande. Événements de fin de temps et singulier décoder en go. Il faut décoder les événements de la fin des temps. Pour que tu ne sois pas emporté. Alléluia. Amen. Batata na biso ba metu cela ba koko na biso na village. Malgré quoi que ce soit épidémie ya ba fléau ya ba nini bango bazo vivre. Ba plante ba zali ba metu cela na Bible ba viva ki 969 ans. Mais non, et l'eau comme électronique de Koyako Telemisa Banini. Nanina, c'est ok, et l'eau comme maladie yonso. Guérison est allée dans la plante aux âmes à Pesviso. Et j'aimerais te dire qu'il y a la guérison à toutes maladies dans les plantes que Dieu nous a données. Et Nanina, c'est ok, Afrique, Aza, nation, mon continent, mon cause, Aza, la solution pour Namokili. Et j'aimerais te dire que l'Afrique est un continent. Tous les plantes sont ici. Yes. Si nous pouvons respecter ce que Dieu a dit dans les Saintes Écritures, malade, aucune maladie ne demeurera dans nos corps. Yes. Voilà pourquoi bien aimé ne craint rien. Dieu est avec nous. Alléluia. Marc 1. Marc chapitre 1er. Verset 13. À partir du 13e verset, version d'Arbi, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Et il fut dans le désert 40 jours. Nani wana? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Azalaki na désert 40 yoka yoka nanani. Et il fut dans le désert 40 jours tenté par Satan. Et il était avec les bêtes sauvages. Oyoki? Tenté par Satan. OK. Tout dina nini na ba bête sauvage. So ozomuna bête wana ezali, bête wana ezali na Adam na Eve. Ici encore Jésus la bête. Na Apocalypse kaka bête wana ba bête. C'est toujours les bêtes, on parle toujours des bêtes. Yes. OK. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. 14. Sukawana. OK, 14 mais nabanzi 13 et koki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tanga lingala. Lingala verset 13. Afandi na esika ya banyama ya zamba kuna sata amekie mikolo tukumi na imobimba pe ba angelu bazalaki ko salela ye. Angelu bazalaki ko. Alléluia. Amen. Version parole vivante, verset 13. Il y séjourna 40 jours, pendant lesquels Satan les mit à l'épreuve en les tentant de diverses manières. Oui, okay. En les tentant de diverses manières. Ye atali sayo bolamu eloko menasima eloko ebatama. Babiloko ba simbisibiso nasima eloko ebatama. Lelo mokili mobima bakomi ko adorer eloko yo. Oh, clavier na yezo like ça chiffre 1666 bakomi ko adorer mutu yoso. Soki botoli eloko ipa mutu akoka lisusu te ko vivre. En les tentant de diverses manières,
Seules les bêtes sauvages lui tenaient compagnie et les anges le servaient. Les bêtes. Banyama. Les bêtes. Banyama. Azalaki na Genèse, na Eve, na Adam. Ils étaient à la Genèse. Azalaki na Yesu. Avec Jésus aussi. Yoyo na tango asuka lisusoye. Encore au temps de la fin, elle revient. Azalaka na mokili depuis. Elle est dans le monde depuis. Ma race na ebaza. Sa race est là. Oya kobimisa chiffre d'homme wana, homme wana akobimi manifesté, ye mutu apese pouvoir koloba des choses blasphématoires contre notre Dieu. Et celui à qui il a donné ce pouvoir, cet homme-là, il se révélera bientôt, c'est lui qui blasphème contre Dieu. Ok, Tomonaki. Nous avions vu cela. Bien-aimé. Oligami. J'aimerais te faire voir. Na Genèse 3:6. Dans le livre de Genèse. Na Ephésiens 3:6. Verset 6. Ameki ko yebisa Eve na Adam alobi eza bien. Biloko oyo, biloko eza bien pour la nourriture et eza kitoko pour la misu. Il a dit que c'est bon. Tanga pour nanga lisu verset 6. Genèse chapitre 3, 6e verset, version d'Arbi. Merci. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger. Oui, qui est bon à manger. Mmh. Et qu'il était un plaisir pour les yeux. Un plaisir pour les yeux. Et la, que la bête est venue, le serpent est venu. Alors, il y a. A fait. Andima, et ça bien, et ça m'a bêté. Il a convaincu, a séduit. Et yé moko amoni ke eza bien. Il a vu que c'est bon. Eza kitoko na misu. Ça frappe à l'œil. Denga moko ba biloko ba instrument oyo nyoso. Eza akuta eza kitoko na yango. Il va te montrer le bel aspect de la chose. Avancement technologique. Ba yela motonde zoko ba kokola. Ngai na benga yango avancement démoniaque. Ngai na boya nde kokola ya kisata. Makamu na zolo na lobi oyo na sina lobi yango na na chair. Je l'ai déjà dit à l'église. Baza ba témoin. Les fidèles sont témoins. Tu peux les poser la question. Je les appelle des démons. Maintenant, ils veulent l'introduire dans le corps humain. Dieu a refusé. Selon Apocalypse 14, 9 et 10. C'est un livre d'Apocalypse 14, verset 9 et 10. Voilà. Lingala, Genèse 3, verset 6. Moi, si Amoni te nzete yango ezali na mbuma ya elengi po na kotala. Ya elengi. Pe ki toko po na kotala. Kitoko pona kotala denge babiloko ezana elengi ozo mona ke non ezo faciliter vie dès que ça facilite la vie tu vois le bel aspect il de y a des gens sans ça moins vivre ezate il y a des gens qui ne peuvent vivre sans ba message ici mokili ils ont fait habituer le monde soki ozana ngote oza civilisé te si tu n'en as pas tu n'es pas civilisé tu es en retard. Oh, le diable ne fait rien à la fin, c'est pour la destruction totale. Et ça pour nako bomayo. Zokande suka suka Satan azara na bosenga ko bomanyo. Yesu alobi, c'est lui qui vient voler, détruire et tuer. Yesu alobi yenda zoya ko iba ko bebisa pe ko boma. Mais moi je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Et ané ko pese bido bomo et pe bomoi. Ya bofulu kina makambo nyoso. Ezo benda na misu kitoko. Ça frappe à l'œil, ça brille. Maintenant, tout zonga na Luc total à Luc chapitre 4. Révélons. Verset 1 à 5 et verset 9. Dans Luc chapitre 4, 1 à 5 et 9. Bien-aimé, Oligami, tous à la avisé. Soyons avisés. Mutu mokote aya kote ayo ba message séductif pour na kotal sa yo ke okoko zwa eloko wana eza mabete parce que il faut boteka usomba. Non, non. La parole de Dieu dit que c'est mauvais. Dès que tu es condamné, il n'y a plus de miséricorde. Que personne ne te trompe avec des paroles séductrices. Non, tu ne peux pas accepter cela. La parole de Dieu nous a déjà prophétisé, avisé que cet homme va se manifester. Et celui qui est sage et qui a l'intelligence a décodé chiffre naïe. Chiffre naïe, c'est 666. Et la parole de Dieu est telle ici, souhaitée. Motoana komimonisa kasi moto o azana mayele ayeba kokundo la motango ya motoana. OK tanga. Luc chapitre 4 verset 1 à 5 du premier verset au 5e version d'Arbi. Ouais. Or Jésus plein de l'Esprit Saint
s'en retourna du Jourdain et fut mené par l'esprit dans le désert. Version Lingala. Yesu atondi na molimo monsantu alongwe na maya Jordan pe molimo amemiye na esobe. Verset 2. Étant tenté par le diable 40 jours et il ne mangea rien pendant ce jour-là. Ok. Maintenant, tu es en confinement combien de temps? Parce que tu as 40 ans. Alléluia. Amen. Et là, il y a une race de vipères, 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 il y a une race de vipères. Batu bazo kufa ebele ebele ti batu mokili bako ganga no ah, to lembi ok soki tokozwa tozwa ngo to lembi pato zala na liberté ndeko zala sage soyez sage bien aimé balobi bet wana akozala na akomela koloba bakupeza pouvoir ya koloba cette bête aura le pouvoir de parler. Est-ce que yebi ke loko ye komi kolobela batu? Et vous savez que cet appareil parle aujourd'hui. Oyo nazana ngo na maboko oyo. Cette montre que j'ai. Et un iPhone. C'est un Apple Watch. Ce qui n'a vendu na isika mingi. Tolo baké na vendu dingi na vendu boy na sali des heures. Si je fais des heures. Et sengeli na telema. Et je devais me lever. Akoyeb sangai aussi au vendu mingi telema na nous bouger pendant 5 minutes bongo zongi. Et cette montre me dirait. Nazo lobaté ke baisinga ingai yango oyo. Je ne dis pas comment parler qu'une chose, je l'ai sur ma main. Soki nazana esika oyo nasengi mupepe. Nazo zwa mupepe mingi te akolobelanga alobi ndeko batu bazana ngo bayebi iPhone watch bayebi makamnazo. Akoyebi say okay no omoni ozana besoin ozwa l'air. Bimana nukedozo aler muke aprozongi et lokoyo. Si je suis dans un endroit qui n'est pas aéré, il va me demander d'aller de sortir un peu pour prendre de l'air. Ngonga ezoya. Le temps arrive. Okolinga kosomba eloko. Tu aimeras acheter quelque chose. Okoyoka ekolobelayo. Et tu vas entendre, il va te parler. À travers ya ba Google na bango. À travers de leur service. Pona nini clavier oyo? Ezo pesa biso chiffre 666. Pourquoi ce clavier nous donne seulement 666? Pona nini RFID wana ezo pesa biso chiffre 666. Pourquoi RFID donne 666? Alors c'est lui qui est sage. Ozana mayele. Et qui est intelligent. Ozana bonia. De code. Akundola. Nombre de enom. Ezali motango ya moto. Qui est 666. 666. Luc chapitre 4. Nous lisons Luc chapitre 4. Mm-hmm. Luc chapitre 4, je reprends le verset premier. Or Jésus, plein de l'Esprit Saint, s'en retourna du Jourdain et fut mené par l'Esprit dans le désert. Oui. Verset 2. Étant tenté par le diable 40 jours, oui. Il ne mangea rien pendant ces jours-là. Et lorsqu'ils furent accomplis, il eut faim. Verset 2, Lingala, verset 1 et 2. Yesu atondi na molimo monsantu. Alongwe na maya Jordan pe molimo amemie na esobe. 2. Kuna zabolo amekie mikolo tuku minei. Mikolo nyonso wana Yesu alia kite. Sima na yango ayoki nzala. Verset 3. Et le diable lui dit: si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. Bongo zabolo alobi na ye: soki ozali mwana ya Nzambe, lobana libanga oyo ebongwana lipa. Verset 4. Et Jésus lui répondit, disant: il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Verset 4. Jésus a zongi selie: et komama na mikanda, moto akoki kopike la kaka mapate, kasi na maloba nyonso ya Nzambe. Verset 5. Notez bien verset 5, place de commune de ko. Yes. Kaka dengi a salina. Ève na jardin atal se kitoko. Verset 5. Et le diable, le menant sur une haute montagne, lui montra. Lui montra. En un instant. En un instant. Amona na misu. Yes. Dengwa alaxi ba frui na jardin alobi omoni eza kitoko. C'est ça. Tous les rois. Awa pelelo.
image na ye, son image. Oyo, azo talisa yo l'importance na yango. Il te montre son importance. Azo talisa yo l'avantage ya innovation technologie oyo. Azo talisa yo motu ya na yango. Voilà. Et le diable le menant sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habités. Voilà. Bongo zabolo amemi ene sika moko na likolo pe alakisi e bamboka nyonso ya mokili. Continue komona. Verset 6. Et le diable lui dit: je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Voilà. Alobina ye nakope sa yo bokonzi ya mokili mobimba pe lokumu na yango pamba te bapesi yango na maboko na ngai pe nakoki kopesa yango na moto oyo ngai nalingi. Verset 8. Et Jésus lui répondant dit: il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras le seul. Oui, ok. Verset 7, né. Ok, na oui. Na lui, verset 7, yo, libi, oui. Verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Ok, adoration toujours. Lingala. Bongo soki ofuka melingai. Nyonsoana ekoko mayayo. Nyonsoana. Ceux qui cherchent l'adoration. Mokliba adoré. Que le monde l'adore. Bien aimé. Oligami. Bama kamutuzo muna ezo ya oyo. E salamana nute na mokili. Ce que nous voulons arriver dans le monde n'est jamais arrivé. Natali mwasi nangai na obi. E lateli ya mkolo oyo oyo kukanga zolo na mnogo lateli oyo ezo tali sa denge batu wana balataka na renyo na bangona putu. Et cette monde aujourd'hui nous montre comment ils sont la nuit dans oh, bah, mususu na réseaux sociaux. Il y a bleu wana ba commune 666. Oh, pour certains on a écrit 666. Nabi lokoyo eza malamu te. Ce n'est pas bon cette esprit nanga a réagi. Mon esprit a réagi. Na vandi. Je me suis assis. Mon mo santu abandi ko pesa ngai ba révélation. Le Saint-Esprit a commencé à me donner des révélations. O monike atalisi Yesu royaume yon so alobi ataliso kalimisu ye atalisa yo avantage ya eloko mais la gloire mais ezande apomayo. Il te montre l'avantage, l'aspect brillant de la chose, mais c'est pour te tuer en fin de compte. Verset 9, Luc chapitre 4. Et il amena à Jérusalem et les plaça sur le fait du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder, et ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Lingala. Nasimaza bolo amemiye na Jérusalem. Atiye na likolo ya ndako ya Nzambe na songe pe alobi na ye. Soki ozali mwana ya Nzambe, omibwaka na se 10. Pamba te ekomama na mikanda. Nzambe akotinda ba angelu na ye po babatela yo. Ayoki. Amen. Amemiye likolo. Il a transporté. Voilà l'année les sous Atalisaye. Pour le montrer. Bango bakotai sayo avantage. Ils te montreront l'avantage. Kobanga te kalaming te okoyoka bakotai sayo avantage ay loko wana Apocalypse chapitre 14 verset 9 alobi tokoki kozwate. Oyo Apocalypse 13 16 et 17 à 18 alobi tokeba akotali sayo. Ils te montreront bientôt l'avantage de cette chose que la parole de Dieu nous interdit d'avoir. Bien-aimé, Olingami, j'aimerais te dire, makamoizo yana tango yo. Les choses arrivent en ces temps-ci. Il faut toyer kola ko décoder. Nous devons apprendre à les décoder. Et c'est bandi. Ça a déjà commencé. Yesu alobi, Jésus a dit, Matthieu 24, il y aura des épidémies. Bokono ya deko na Yesu te a sali. Ce n'est pas Jésus qui l'a fait. Il a vu. Asia Muniango. Il avait déjà Asia vu. Sakola Kiango. Il avait déjà prophétisé. Même si vous verrez ces signes, vous saurez que la fin des temps est approchée. Alléluia.
Amen. Ok. Na ningi totanga. J'aimerais que nous lisons. Na banzi. Je pense. Bandeko. Bien aimé. Bo pambola mina makambozo yo. Vous êtes bénis avec ce que vous entendez. La Bible a pekisi biso. La parole de Dieu nous a interdit. Ce que tangi malamu bien. Si vous lisez bien. Na 1 Jean chapitre 2 verset 16. Dans 1 Jean 2 16. Toke bana eloko ezo benda na miso. Que nous puissions faire gaffe à ce qui frappe à l'œil. Tokeba. Que nous fassions attention. Tokeba na eloko yonso ezo frappe na miso. Faisons attention à tout ce qui frappe à l'œil. OK. Tanga pona ngano kiloki. 1 Jean chapitre 2 verset 16 version Darby. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père mais du monde. Ok, du monde. Et le monde s'en va et s'en convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Amen. Chapitre 2, verset 16. Lingala. Bambate, makambo oyo bato ya mokili balingaka, pe biloko, oyo bango balingaka, po ba moni yango na miso, na bomengo oyo epesaka bango lofundu, biloko nyoso wana etali mokili. Yango ewutaka na tata te, kasi ewutaka awa na mokili. 17. Makambo ya mokili na baposa ya bato, ezali kolimwa. Kasi moto oya sala kama kambo nzambe alingaka azali na bomoi ya seko. Alobi biloko wana yonso ekokende. Amen. Toutes ces choses disparaîtront. Biloko ekokende wana ezani ba biloko oyo ezobenda na miso ba posa ya mokili. Ces choses qui frappent à l'œil. Bien aimé. Olingami. A cause ya posa ya mokili. À cause des plaisirs du monde. Okozwa corps étranger mako na nzoto na yo. Tu vas accepter un corps étranger dans ton corps. Pokende libela na lifelo. Pour aller éternellement en enfer. Apana. Non. Ezala kate. Ça ne marche pas ainsi. Isengile bangisa biso. Cela doit nous effrayer. Natalisi bandeko na ngai oyo tozosola lindelement ba image ba batu mako na ba kongwa wa bazo yembela Lucifer. Bazo yembe la 666 ba komi na porte na bango na province mais me bible lobike akosenga ba adorer Yesu toute la terre. Et j'ai partagé avec nos bien-aimés, on partageait une fois, je leur ai montré l'image de certaines personnes qui adoraient 666, ils l'ont même marqué à leur porte à l'entrée de la maison. Bazo loba quand même ezam abete. Ce n'est pas mauvais de komami na bible. C'est écrit dans la Bible. Mais Bible wana elobi toko kite. Kozwa chiffre. Alobi ango bien de cet homme. Maintenant, alors selon eloko wana RFID, ezota isa biso, eza calcul ya chiffre wana. Selon clavier à télévision, eza calcul ya chiffre wana. Yes. Il faut ozala sage. Nous devons être sages. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Olingami. Zambe oyo asali yo nangai. C'est Dieu qui t'a créé. Asali provision pour na lobiko na biso. Il a déjà mis une provision pour notre bien-être. Tanga na Genèse na Apocalypse pongo to silisile. J'aimerais lire dans Genèse et Apocalypse pour finir aujourd'hui. Genèse chapitre 1 verset 27 à 29. Genèse chapitre 1 verset 27 à 29. Oui. Version Darby, je lis au nom de Jésus-Christ. Et Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Voilà. Il les créa mâle et femelle. Ok. Asali biso mâle et femelle, ça dit, tango asali biso tout ça déjà complète. Quand nous a créé, nous étions déjà complets. Continuez. Version Lingala. Continuez. Boye nzambe asalaki bato lokola elili na ye. Asalaki bango lokola elili ya nzambe penza. Oui. Asalaki bango mobali na mwasi. Voilà, continue. Verset 28. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit: fructifiez et multipliez et remplissez la terre et la sujettissez. Oyoki. Multipliez, fructifiez, remplissez la terre et fait quoi? Assujettissez. Mais bango balobi réduisez. Zambe balobi to rempli,
bango balobi to réduit sala sage. Soyez sage. Et la race ya vipère. Ce sont la race des vipères. Ba semence ya serpent. Bana ya nyoka. Ba semence ya serpent. Bana ya nyoka. La bête. Oya bimeli Adam na Eve. Ya paria Adam. Abimeli Yesu. A Christ. Lelo azo bimela biso ba semence na ye. Aujourd'hui nous apparaît à nous. Les sources pour na ko séduire yo. Pour te séduire. Dès qu'il a séduit Adam et Eve. Dès qu'il a séduit Adam. Aliga séduire yo les sources. Il veut te séduire aussi. Pozwa eloko moko boye ko étranger au côté sango na nzoto na yo ndeko. Vous acceptez un corps étranger dans ton corps. Zamina nga fungula yo misu ya boso soli. Que mon Dieu ouvre tes yeux spirituels. Na kombo na Yesu Masiya. Au nom de Jésus. Est-ce que tu cotier tembe na makambo? Est-ce que nous allons douter de ces choses? Est-ce que yo nanga yo cotier tembe? Est-ce que tu vas douter? Que Yesu Masiya zo songa klap. Jésus-Christ revient bientôt. C'est tout bas. Que personne ne te trompe. Pourquoi? Implanter une puce électronique dans le corps. Comme télévision. Tu deviens un téléviseur. Comme téléphone. Un téléphone. Comme robot. Un robot. Comme laptop. Un ordinateur, un laptop. Pour faire quoi? Limba comme ça montu yonso et loko yonso za mesala ba comme ça ngo et loko ba kokiko contrôler ko fabriquer. Ils veulent faire que tout ce que Dieu a créé soit contrôlé, qu'il puisse le fabriquer. Koko benga réseau na yo ce qui vous raconte lobi sim card nanga ba yebi téléphone bo bloqué ba bo bloqué so dengi moko o komina et loko na zoto na yo on peut te bloquer à tout moment. Et tel que un fournisseur d'accès réseau peut bloquer ton téléphone s'il y a un problème, de même on peut te bloquer aussi par cette puce là. Bandeko. Bien aimé. Décoder la fin du temps. Yo kundola de makambo itali sukayata. Décoder la fin du temps. Limbo la makambo itali sukanatango. Décoder la fin du temps. Décodons la fin du temps. À l'obi. Il a dit. Remplissez la terre. Botondi samabele. Bino bokomi na pierre de direction wana na Georgia. Bokomi na pierre dix commandements na bino. Oyeza opposé ya zambe bokomi première chose. Il faut mokili aza réduit tina 500 millions. Bango balobi zambe alobi. Remplissez la terre, Bangou Balobi, réduisez la terre. Dieu dit remplir la terre et par de réduire. Est-ce que écolobe la yote? Cela ne va pas t'interpeller. Kende na Gogus Otanga. Va à Google, tu vas lire. Guide stone. Na français pierre. De direction, mais na anglais de face au comme guide stone au comme on est anglo. Tu vas voir si tu écris en anglais guide stone. J U I D E. Après au comme stone. S-T-O-N-E. Tu le verras. C'est écrit en huit langues. En anglais, en français, en espagnol. En espagnol, en hindou. Ce sont des signes. Continue, Nico. Genèse 1, total. Genèse, chapitre 1, verset 28, je reprends. Et Dieu le bénit et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez et remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur tout être vivant qui s'émeut sur la terre. Alléluia. Lingala Nzambe a béni si bango pe alobi popo tana pe bozala ebele botundi sa mokili pe bozala bakonzi na yango bozala bakonzi ya bambisi ya mai. Verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute plante portant sémence qui est sur la face de toute la terre et tout arbre dans lequel il y a un fruit d'arbre portant sémence. Cela vous sera pour nourriture. Et à tout animal, verset 30, de la terre. Alobi sera, ma plante, wana sera pour vous nourriture. Nourriture.
plantes, ba fruits, ba biteku teku na biso, ba fumbwa na biso, ba pai pai, ba biloko yonso alobi yangu yoka alobi sera pour vous la nourriture. Apocalypse ekutali sabiso, Apocalypse livre ya fin du temps alobi c'est pour la guérison de nation. Comment? Ezapona lobiko ya bato. Ba ki se bele bazo salawana ezako boma bato appétit faut parce que balobi nous balobi dès que zotanga il y a des effets indésirables secondaires. Mais ba plante oyo soki zo li yango normalement ezo biki sans auto. Ils ont pas sa immunité, pas d'effet secondaire. Des exemples à cela. Baquer de bœuf, ils ont traité par cancer. Beaucoup de citrons, ce que vous en avez vitamine C, il y a haut niveau. Dongo ba avocat, ba manga, betotiki, ba fabriquer ça, ba biloko, yakobo manzoto, yakokufa. Et en tant que zo kufa, ba mense ba koyese kolia mungu ate. Kolia sukrete ba ibi ke biloko kolia nyamate kolia me ba biloko zambe alobi asali bona biso tolia kwa kisi na kati nde lobi ko na biso evandi pourquoi maintenant na tie loko moko na nzoto vacciner ya nini pourquoi vacciner ligala verset 29 zambe alobi lisusu na pesi bino ndunda nyonso ya mokili oyoki ndunda biso toyebi yango biso ba kongole. Dunda ya mokioso ya mokili mobimba oye bota kambuma ya kokona pende te nyoso oye bota kambuma ya mokokoli wanande bilei na bimbo na sepeli na mama na biso ministre ekonomi te ya lobby na rezo sosye tango azalaki frape na makambo oyo molimo mabe oyo na mukonzi na bizote nyi basungi ya pesi témoignage na yeza me apambo la bango alobi pe ba yeli ba biloko ya mboko ya neti oyo to ye ba plants on lui a porté des plantes naturelles ameli ba mususu amezipi depuis tango ya bakoko na bizote yebi biloko wana. Nous connaissions ces choses depuis le temps de nos ancêtres ba bulunkutu omeli nazango nanda kubulukutu nazo beta ngo mukoloyi j'en ai à la maison nazo mila ba citron je prends des citrons oyo lizuzu kongo bololo voilà eza bien ko mélanger ngo te ko to kata denye ba koko ba sala ko weza direte ce sont des plantes yo seza na lobiko na kati tout contient de la guérison. A pesi biso bandunda yoka ngaite na komi lingala a pesi biso bandunda so yoka apocalypse 22 verset 1 et 2 totanga na suki wana lisons livre d'apocalypse chapitre 22 verset 1 et 2 apocalypse chapitre 22 verset 1er version Darby. Et il me montra un fleuve d'eau vive éclatant comme du cristal sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Verset 2. Au milieu de sa rue et du fleuve, de ça et de là, était l'arbre de vie, portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. So, au moment que ma plante est pour la guérison. Amen. Guérison d'une nation. Le bico y a bato. Nanina, c'est que l'Afrique a la solution pour la nation. J'aimerais te dire que l'Afrique a la solution pour le monde entier. Nous avons toutes les plantes. Bien aimé, tozonge la recommandation à Zambé selon Genèse 29. Abi, je vous ai créé à mon image. Na pesbino bilei oyo, atant que na pesbino ba plante oyo, na ba fruit, atant que bilei na bino. Revenons aux recommandations du Créateur qui nous a donné des plantes comme nourriture. Moi, Ngai. Domaine n'engayan. C'est ça. Yango monique nazo sera gêné. Voilà pourquoi je naza makasin. Ce que moninga na sport. Je suis fort. Au condimenté naza makasi par rapport à âge n'engay 54. Je suis fort par rapport à mon âge. Pour nani na sosoli. Na timbeli. Mokeli n'engay salingay. Na vivre. Nicolas Badunda. Pour que je vive avec. Papa Biloko essaye coti na boîte.
pas ce qui est. La salle va contrôler qu'un des hôpitaux diamant et l'autre côté. Mais ils pas besoin besoin car au repos et l'autre nazar et l'autre côté. Ça fait des années à ta malaria nazar ngo nazar la kanangote bar. Ils ont mis une sur la typhoïde nazar ngote. Pas de maladie. Et l'autre côté a bonne santé. Je te connais de nom. À cause y'a bandunda. À cause des légumes. Naba nini. Naba pondu. Naba vite kuteku. Naba tembele. Lumba lumba. Alléluia. Amen. Naba banane, baba coco, ba fruit. Nazo beta yonso. Ezanga kate. Ça ne manque pas. Ayambi ma missionnaire nanga un jour na visite avec bango yonso ba outi partout à l'extérieur du pays baye na yambi bango pa nanga après na visite bango na l'hôpital la chambre ya tata na mino place ala la kalamka na zane lo pongo akwache na koti bango kuzi na mitala biloko azolia makeke lelo to kolia ba fufu na ba nini yonso na ba yonso me tala biloko alia kayangoyo eh. Alléluia. Amen. Neko zala sage. Soyez tanga version communauté chrétienne, Apocalypse 22, verset 2. Oui. Sur la place de la ville et de chaque côté du fleuve, oui. L'arbre de vie produit ses 12 fruits. Uh-huh. Chaque mois, il donne ses fruits et les feuilles de l'arbre sont médicinales pour les nations. Les feuilles de l'arbre sont médicinales pour les nations. Mokiliboyo kangai. Bande konangai boyo kangai. Bien aimé, écoutez-moi. Solution yangwa. La solution est là. Et nous avons ça. Toza nango. Na Afrique, na Congo na biso. Awa na Afrique, bemingi mingi na Congo na biso. J'ai béni les Congolais oyo azui, ceux qui atemisa, ceux qui atemifa, atemisa oyo a produit. C'est un Congolais. Balinga kate. Balinga kabisote. Balinga bakoza bisote. Balinga kate ke mutu mutu mwindu. Il n'aime pas qu'un noir. Au moins, on a dit que ça allait loin comme ça. On va barrer en quoi nous ils ont nommé à trouver. Il a trouvé. Cannabis plante. Juste par les plantes. Bandeko. Bien aimé. Tous ceux qui la maillent les azambés. Revenons à la sagesse de Dieu. La race des vipères. La race des vipères. Basui qui bokozi amoki. Ont pris le contrôle du monde. Et suka suka ils ont pour détruire. En fin de compte, c'est pour détruire. Zambé nayo alobi. Quand Dieu a dit. Mutu azoyang. Que personne accepte cette puce. Salamayele. Sois sage. Sinon, okoma robot. Sinon, tu seras semblable à un robot. Contrôlé. Azokambayo. Zamenanga pesayo éclaircissement. Que mon Dieu te donne éclaircissement. En clôturant. Ton avocat qui ça. Je n'ai rien ajouté. J'aimerais que batanga ponanga Apocalypse 13, 16 à 18, 18 et suki sima. Apocalypse chapitre 13, à partir du 16e verset au 18e, version d'Arbi. Oui. Et elle fit qu'à tous, petits et grands, et riches et pauvres, et libres et esclaves, on leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur front. 17. Et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Verset 18. Ici est la sagesse. Ici est la sagesse à la sage. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. 666. Que Dieu vous bénisse. Amen. Kobo sanati makamba bete yo ba indice ebele. Natalicio appareil yo. Natalicio eloko na banje na baboko ezape 666 appareil be 666. Mutuka ya Obama oya bimisi healthcare. Voilà. Ba benga ngonini la bête, the beast. So bazako mi bimisa ba race de vipère. Mena sambeli. Je prie. Elonga. Ils partagent. La victoire est notre partage. Père, merci pour ta parole. Papa Martin de Point et de Banayo. Merci pour la balandion sous Bazola Nangana. Merci pour tous les téléspectateurs qui nous suivent. Nasengi Lilobaoyo.
Je demande que cette parole entre dans le disque dur du cœur de chacun. Et puisse t'enivrer et te parler. Convaincre yo. Et qui puisse te convaincre. Et même ma transformation. Qu'elle amène la transformation. Et puis détermination. Je te donne la détermination. La décision. Et la décision. Qu'il faut. Oui, yako adhérer selon oyo Yesu alobi. Pendant qu'on dit malandisa. Oko longwa nanzelate. Tu ne vas pas quitter le chemin. Message yo et puis ça yo force yo soza nango besoin dans ces temps ici. Que ce message te donne la force dont tu as besoin. Na kombo na Yesu masi. Au nom de Jésus. Je vous bénisse de tout mon cœur. Au nom puissant de Jésus. Merci mon Dieu mon roi. Na kombo na Yesu tout sameli. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À la prochaine. Soyez branchés. Connectés. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Ciao. Le temps de témoignage. Petela Yesu maboko makasi. Bonjour Papa Dayo. Shalom à tout le peuple de Dieu. Je fais cette vidéo à partir de l'hôpital de Nanterre, ici en France. Je voulais rendre grâce à Dieu. Moi, je rends grâce à Dieu pour la guérison. J'étais atteint du coronavirus depuis, il a été détecté le 20 mars, comme envoyé aux urgences de l'hôpital. Et il s'est fait que l'hôpital avait dit va renvoyer les résultats 48 heures après, au centre d'hébergement où je vis. Et je ne me sentais pas bien, j'ai fait la fièvre, j'ai présenté tous les symptômes, j'avais mal au dos, difficultés de respiration, mais je ne prenais que les Doliprane. Autrement dit, les paracétamol. Et je suis rentrée voir les médecins parce que samedi, dimanche, ils ne viennent pas au centre d'hébergement. Je suis allée le voir le lundi 23 mars et les médecins se rendent compte que le résultat était positif. Il a paniqué. Il a dit, mais comment on t'a renvoyé au centre, toi qui es positif au COVID-19, là, tu dois avoir contaminé les autres. Mais déjà, ça fait 5 jours qu'on a détecté cela. Et le même jour, on m'a ramené ici à l'hôpital. Le médecin me dira que mon corps a produit des anticorps qui n'ont pas permis au coronavirus d'attaquer les organes internes, de faire un dégât à moi malgré les symptômes que j'ai présentés, qui étaient minimes, qui sont passés. Et les traitements d'appoint, c'était que juste les Doliprane. Donc, j'ai appelé Papa Dayo depuis l'année passée. Je souffrais d'une pathologie qu'on appelle spondylarthrite. C'est une inflammation des articulations. Et si, dû à cette pathologie et les traitements que je prenais, les injections, mon système immunitaire était devenu faible. Je n'avais pas de défense immunitaire. Donc, toute maladie, je pouvais le ramasser. Épidémie, microbes, tout ça, comme les médecins avaient dit. Il s'est fait que je vis dans un centre d'hébergement, il y a trop de monde là-bas. Et on disait qu'il y a 50 personnes qui étaient atteintes. Et moi, j'ai confessé que je ne serais pas atteint. Il y a un homme qui a parlé, un homme de Dieu qui a parlé. J'ai écouté la parole, j'ai reçu. Et cette parole est devenue chère en moi. J'ai dit, papa, l'oba ki, tokoku fate, tokoku felate. Les deux derniers cultes du 14 mars et du dimanche 16 mars, j'ai suivi ça. Et c'était le dernier jour où j'ai eu la connexion. Je suis montée là où j'étais, sur la table. Papa avait dit aux gens de monter sur la chaise. Et toutes les déclarations prophétiques qu'il avait faites, moi, je l'avais reçue. Au moment que matin à taille, au matin à niveau, maintenant, on a connecté à Toyo, on a spirituellement, on a connecté encore, on a surnaturel, kakaboye. Yes. Oso changer niveau. Yes. Apati à l'élo. Yes. Na initié bino. Yes. Na niveau supérieur. Yes. Pesangai amen ya zoto munene. Yes. Yokangai. Tenyo matina niveau. Yes. Finance na yope ezo matabongo. Yes. Santé na yo ezo matabongo. Yes. Dignité na yo ezo matabongo. Yes. Renommé na bino ezo matabongo. Yes. Na kombo na yo. Et j'ai dit, quand j'ai senti les malaises, je disais que je ne suis pas atteint. Je suis allé voir le médecin, on dit que je suis atteint, mais j'avais refusé cela. Le médecin même dit que je suis une patiente difficile.
J'ai refusé. Il a dit, madame, regardez, il m'a tourné l'ordinateur. Les résultats, on nous a envoyé. Vous êtes positif, vous allez en quarantaine ici à l'hôpital. Et en arrivant ici, parce qu'on doit observer comment le virus est en train d'évoluer, voir la manifestation, parce que c'était positif. Mais on voit que ça ne m'a rien fait. Et les médecins concluent que non, j'ai fait des anticorps qui ont empêché les virus d'évoluer. Moi qui n'avais pas d'anticorps dû à la pathologie de la spongylarthrite, et curieusement, j'ai fait des anticorps qui ne permettent pas au virus d'évoluer. Moi, j'ai dit, c'est la main de Dieu qui a agi. Il y a une parole qui est sortie d'une bouche d'un prophète, le pasteur Dayo, que j'ai reçu cette parole et cette parole est devenue chère à moi. Cette parole a agi en moi et voilà les résultats. Je suis là, je suis bien portante, je suis guérie. Les médecins passaient hier pour me dire, dans 2 jours, je vais sortir, dans 10 ans, demain. Je rends grâce à Dieu et j'ai dit une chose au peuple de Dieu, croyez en son serviteur. Et croyez en Dieu, croyez à la parole qui vient de Dieu, qui sort à travers de la bouche de son serviteur, et nous serons sauvés. Amen. Merci. C'est votre sœur Mangala Irène, à partir de l'hôpital des Nanterre en France. Tikana prophétiser na vine. Bisika baninga bazokufa kokufa te. Eloko epomi tata na yo ekopoma yo te. Eloko epomi mama ekopoma yo te. Ya ye. Le chou de chèque. Bon dieu, passe quoi? Que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe a parti à l'élo na commission intouchable? Amen. Na commission invisible. Na yoko kotsa yo na linie ya batuba isapa makambo ya tenye wana.